l'inflation risque de devoir payer. Les raccordements, bien, avant ça, on parlait des tuyaux de raccordement. Là, le gouvernement a compris qu'avec l'information et la sensibilisation que les comités de citoyens ont fait un peu partout, les organisations écologistes, il a compris qu'ils ne pouvaient plus nous le passer. Là, on sait très bien que quand tu parles de raccordement, c'est des gazoducs ou des oléoducs, donc des pipelines. Parce qu'il faut bien comprendre que si on s'engage de façon importante dans l'industrie gazière et pétrolière, il va falloir quadriller le territoire avec un réseau de pipelines. Et ceux qui ont vu les images de la Pennsylvanie, là où il y a eu beaucoup de gaz de schiste, on voit que c'est comme un paysage lunaire parce que c'est tellement, il y a tellement de tuyaux. Et vous savez qu'en vertu de la loi fédérale, ici, on n'a pas le droit de passer avec des machineries agricoles par-dessus les tuyaux. Alors, les agriculteurs souvent laissent en friche des petits bouts de terrain qu'ils ont ici et là parce que c'est trop compliqué pour s'y rendre. Alors, donc, c'est ça que ça veut dire concrètement si on s'engage dans cette exploitation-là, c'est de quadriller notre territoire par un réseau très dense d'oléoducs et de gazoducs. Alors, donc, pour ça, encore une fois, il faut s'adresser à la régie qui va examiner le projet, puis que si la régie constate que, estime que le projet correspond aux meilleures pratiques généralement reconnues, bien là, à ce moment-là, on va donner le permis. Encore une fois, c'est l'autorégulation. Dans le cas d'Énergie Est, vous savez, il existe un règlement fédéral sur les pipelines, et dans ce règlement-là, on indique un certain nombre de standards qui doivent être rencontrés. Alors là, on nous réfère à une norme ISA. Alors j'ai essayé d'aller voir ça, c'est un document technique de 700 pages, mais ça a été élaboré par les compagnies et il faut voir que l'autorégulation ne mettra jamais en cause la rentabilité des entreprises. Donc, il faut comprendre là, que les risques, encore une fois, c'est nous qui les assumerions. La responsabilité de l'exploitant, bien, c'est une responsabilité qui est limitée. Autrement dit, le gouvernement va fixer par règlement un montant d'assurance qu'il va falloir que les compagnies aient. Et au-delà de cette responsabilité-là, bien, il va falloir démontrer la faute. Alors, autrement dit, s'engager des experts, établir les conséquences, établir que la cause de la pollution de nos sources d'eau, par exemple, serait cette exploitation-là. Parce que vous savez, au Québec, en matière de responsabilité civile, c'est toujours la même règle. Hein? Une faute, un dommage, puis un lien de causalité entre la faute et le dommage. Alors, pour établir ça, bien, il faut un débat d'experts, il faut s'engager des luttes devant les tribunaux. Parce qu'il faut que vous voyez que le fait d'exiger des compagnies, d'avoir une assurance, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire un nouveau joueur qui va, non seulement les banques vont financer, mais les compagnies d'assurance vont voir à ce que s'il y a des poursuites, c'est elles qui vont être les répondantes. Donc là, les citoyens ou les municipalités ne s'affronteront pas encore une fois à des petits exploitants, mais à des sociétés qui ont des ressources financières très importantes. OK. Donc, au-delà de ça, bien, c'est la responsabilité avec, évidemment, les conséquences qui en découlent. On nous dit aussi que seul le gouvernement peut prendre une action, donc il limite la possibilité qu'on les poursuive. Et on nous dit que les poursuites pour faute sont autorisées. Alors moi, comme juriste, quand j'ai vu ça, je me suis posé des questions. Parce qu'en droit, il y a un brocard qui dit « l'inclusion de l'un, c'est l'exclusion de l'autre hein? ».« Inclusio unius est exclusio alterus ». Alors, quand on marque ça, quand c'est pour faute, c'est permis, est-ce que ça veut dire que pour non-faute, ça ne serait pas permis? Ça, c'est très, très important en matière d'environnement. Je vous donne un exemple qui est allé jusqu'à la Cour suprême, la cimenterie Saint-Laurent, en banlieue de Québec. Bien, quand les gens qui vivaient à côté de la cimenterie, là, c'était invivable, la poussière, puis tu ne pouvais pas étendre ton linge à l'extérieur, etc. Donc, il y avait eu une poursuite, un recours collectif. Quand ils sont arrivés devant le tribunal, ils ont dit « Non, non, vous n'êtes pas responsable. Regardez, nous suivons la réglementation provinciale à la lettre, nous suivons la réglementation municipale à la lettre, donc on n'est pas responsable. » La Cour suprême a dit « Non, 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 non. Les voisins se doivent entre eux des tolérances réciproques pour des choses normales. Il ne faut pas poursuivre votre voisin parce qu'il a parti sa tondeuse à 9h le samedi matin. Mais quand ça dépasse les normes, la tolérance réciproque qu'on se doit, bien là, on est responsable. Alors, est-ce que ça veut dire, la responsabilité pour faute, que la responsabilité pour non-faute serait exclue? Je ne sais pas.
Mais ce que je sais, c'est que l'interprétation que je vous donne, c'est celle que les juges utilisent normalement quand ils interprètent les textes de loi. D'autres éléments qui existent, alors on nous dit que, par exemple, que les règles en matière de sécurité vont être fixées par règlement. Donc, on ne sait pas exactement. C'est sûr qu'on nous dit aussi que le titulaire peut couper des arbres. Puis on l'a vu là, dans les images que Marc nous a présentées, il peut en couper pas mal. Et que c'est sans restriction, à condition que ça ne dépasse pas 2% du boisé. 2% d'un grand boisé, ça peut vouloir dire assez, de façon assez importante. Et on nous dit également que pour faciliter l'exercice de toute activité relative à l'exploration, la production, le stockage d'hydrocarbures, le ministre des Transports peut, avec l'autorisation du gouvernement, construire, modifier ou entretenir tout chemin. Alors, ça veut dire concrètement que nous allons payer les routes pour que les compagnies se rendent jusqu'à leur puits. C'est ça que ça veut dire concrètement. L'accès à l'information, bien, on nous dit, oui, mais en matière de recherche, là, de recherche d'hydrocarbures, ce qui se passe là-dedans, 5 ans après, on va pouvoir savoir, il y a une marge de manœuvre de 5 ans, et dans le cas de la production, 2 ans après, on va pouvoir le savoir. Oui, mais 2 ans après quoi? 2 ans après le 8 ans, puis 2 ans après le 4 ans? Alors, on est à 14 ans plus tard. Donc, ça peut vouloir dire qu'on ne saura pas ce qui s'est passé avant 14 ans. Et puis, est-ce qu'on va le savoir 14 ans plus tard? C'est peu probable. Pourquoi? Parce que le projet de loi n'établit pas de prépondérance de cette loi-là sur la loi sur l'accès à l'information. Vous savez, quand on s'adresse au gouvernement, il y a une loi qui s'appelle la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels. Mais dans cette loi-là, aux articles 22, 23, 24, il y a des dispositions qui permettent à une compagnie de refuser la divulgation si, par exemple, on risquerait de divulguer des secrets industriels ou si ça mettrait en cause la rentabilité de l'exploitant. Alors, donc, 14 ans plus tard, on risque d'avoir des informations, mais qui seraient caviardées en noir là, sur une bonne partie des documents que nous recevrions. Il y a des modifications à d'autres lois. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme, bien, ce que ça dit essentiellement, c'est que les permis de forage ont priorité sur les schémas d'aménagement des MRC et sur les règlements de zonage et de lotissement des municipalités locales. C'est donc par en haut que c'est décidé, puis en bas, les municipalités locales n'ont rien à dire, puis les MRC non plus. Peu importe qu'ils aient défini que tel pourcentage du territoire doit être sous couvert forestier, tel pourcentage du territoire doit servir à tel ou tel et tel élément de développement, ils arrivent par en haut, le ministre accorde l'autorisation, puis allez, hop, tassez-vous les municipalités, c'est nous qui avons priorité. Même chose avec le puisement d'eau réalisé sur le territoire. Normalement, les municipalités ont compétence, mais là, cette compétence-là leur est retirée. Et c'est le ministre qui l'accorde. Alors, on en a un bel exemple, Anticosti. Vous avez vu que le ministre a autorisé le puisement d'eau de 30 millions de litres d'eau dans les rivières à saumon. Quand on a vu ça au collectif scientifique, on a dit, mais qu'est-ce que cette histoire-là? 30 millions, ils font 3 puits, ça doit en prendre 60 millions. Normalement, c'est 20 millions par puits autour d'eux. Oui, mais on dit, c'est pas grave, parce qu'on va en prendre rien que 10 millions dans les 30 millions dans les rivières. Parce qu'on va ramasser l'eau dans des bassins de rétention, on va ramasser l'eau de puits, on va ramasser la fonte des neiges. C'est complètement absurde. C'est comme si l'eau qui est dans la rivière n'a pas de rapport avec l'eau qui tombe ou la neige qui fond. C'est comme si on était deux bulles complètement séparées. Le maire d'Anticosti me disait récemment que cet été, on a connu là aussi une sécheresse et que les saumons sont prisonniers de bien souvent des fosses parce qu'ils n'ont pas assez de courant pour être capables de se déplacer dans la rivière. Imaginez-vous, si on va en chercher 60 millions de litres davantage, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les conclusions, je pense que vous pouvez les tirer comme moi, mais je vais vous les résumer rapidement. Les pouvoirs régaliens de l'État, les pouvoirs de l'État de faire des lois sont donnés essentiellement à l'entreprise privée. C'est l'autorégulation, c'est les meilleures pratiques. C'est, à mon avis, l'abandon complet de l'intérêt public. C'est aussi la vraie couleur de notre premier ministre. Hein? On se demandait, quand il est revenu de Paris, il avait la main verte, on dirait que c'était Hulk. Puis après ça, il est devenu noir parce que là, c'était le pétrole. Alors, il y a un mec qui me disait, lui, il est comme un wiper. Il y a une journée, il est sur un bord, une journée sur l'autre bord. Là. Hier, il me disait qu'il n'y avait pas de fracturation, mais la loi dit le contraire. Bon, en tout cas,
Alors, je pense que le projet de loi nous définit bien la couleur de notre premier ministre, c'est bien plus noir que vert. Ensuite, l'autorégulation. Bien, l'autorégulation, il faut se souvenir qu'en matière de transport d'hydrocarbures, l'autorégulation, ça nous a donné 47 victimes à Lac-Mégantic. Des normes importantes qui devraient être fixées par la loi, c'est maintenant, c'est ont été dictées par règlement. Donc, c'est un peu comme si, après 20 ans de coupure dans le gouvernement, on n'a plus les compétences requises au ministère de l'Environnement, au ministère des Ressources. Donc, on donne ça à l'entreprise privée, puis faites ce que vous voulez. On a vu ce que ça avait donné en matière de transport avec l'entretien de nos viaducs, par exemple. Alors, donc, les pouvoirs des parlementaires sont mis de côté, puis c'est le gouvernement qui mène, point à la ligne. Les pouvoirs ministériels sont immenses, je vous dis qu'il faut simplement que les décisions soient compatibles. Et donc, les municipalités, bien, leur compétence se réduit comme une peau de chagrin en matière de puisement d'eau, de gestion de territoire, les comités de suivi, la maximisation des retombées, il n'y a rien pour les municipalités, tout se passe par en faux. Ensuite, droit prépondérant d'accès, bien là, écoutez, c'est toute la sécurité juridique des citoyens qui est menacée. L'inscription du divers registres, bien, ça a des impacts majeurs sur la valeur des propriétés. La sécurité donc juridique est menacée. La protection des milieux marins, là, il y a des amendements dont je pourrais vous parler. Parce que oui, plutôt que d'aller aux conclusions, les conclusions, là, c'est mon analyse à moi. Cette présentation-là est sur le site du RVHQ, faites rvhq.ca, vous l'avez, ou vous faites sur YouTube, Richard Angelier, Hydrocarbures, et vous allez avoir la présentation. Donc, vous pourrez y accéder. Je veux vous parler plutôt des amendements, parce que ça, c'est l'élément fondamental. Là, le ministre nous dit, écoutez, là, on va être raisonnable, on va donner au MRC la possibilité d'exclure des zones. Et Marc vous a dit que c'était effectivement l'article 304.1 de la loi sur les mines, que cette disposition-là apparaissait déjà. Donc, il a l'air de faire un gros cadeau, là, mais c'est déjà dans la loi actuelle dont est extrait les dispositions pour faire la loi sur les hydrocarbures, mais il l'avait oublié de la mettre là. Alors, ça nous donne une idée. Le problème de ça, c'est que, et Marc ne vous en a pas dit, mais si vous allez sur les publications du Québec et vous allez voir cet article-là, vous allez voir qu'il n'a jamais été mis en vigueur. Alors, ça a été adopté en décembre 2013 par le gouvernement du Parti québécois en alliance avec la CAQ. Les libéraux, à l'époque, s'objectaient à cette disposition-là. Là, ils sont au pouvoir depuis plus de 2 ans et cette disposition-là n'a jamais été mise en vigueur. Alors, donc, il faut, premier point, donc, l'adoption d'une disposition ne nous garantit pas de sa mise en vigueur. Hein? C'est ça, c'est deux. L'adoption d'une affaire et la mise en vigueur, c'est deux choses. Mais, l'élément le plus fondamental, c'est qu'à l'article 131 là, du projet de loi qu'on amenderait, on nous dit que tous les territoires qui sont actuellement sous licence ne pourraient pas faire l'objet d'une exclusion. Alors, vous avez vu avec la démonstration que Marc vous a faite que c'est à peu près une grande partie du territoire du Québec qui est sous claim. Alors, donc, on nous dit, oui, vous allez pouvoir exclure, les MRC vont pouvoir exclure des zones, mais pas celles qui sont déjà octroyées. Or, celles qui sont déjà octroyées couvrent la majorité du paysage. Alors, imaginez-vous qu'on n'a pas là une grande garantie. Ensuite, la municipalité ou la MRC ont 30 jours pour essayer de définir ça. Comme je vous l'ai dit, 30 jours, c'est relativement rapide et effectivement, elle peut difficilement faire la preuve. Parce que là, il faut que la MRC fasse la preuve que ce développement-là est incompatible avec son propre développement. Mais les compagnies, là, regardez, allez sur les sites des compagnies gazières, ce qu'ils nous disent, eux autres, tout le temps, c'est que c'est parfaitement compatible. Donc là, on va devoir engager des experts sur le bac pour démontrer au gouvernement que c'est incompatible. Puis, le dernier élément qui est fondamental aussi, c'est qu'un schéma d'aménagement, c'est approuvé, ça doit être approuvé par le gouvernement. Donc, le gouvernement se garde un verrou pour refuser une demande d'exclusion. Donc, on ne peut pas exclure une grande partie du territoire. On a le fardeau de démontrer que c'est incompatible, ce qui n'est pas de la petite bière. Puis en plus, là, toutes les autres conditions dont je viens de vous parler, il faut qu'ils soient rencontrées. Alors, donc, c'est de la poudre aux yeux, ce compromis-là,
Et je ne comprends pas que l'UMQ ait sauté là-dessus comme si c'était vraiment un pas en avant considérable. Moi, quand j'étais jeune, on jouait aux jeux chinois. Là, on mettait juste un pied devant l'autre comme ça. Alors, le pas en avant, là, il est vraiment, vraiment modeste. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est davantage un miroir aux alouettes que quelque chose de réel. Donc, ça résume là, ce que je voulais vous dire. On nous dit aussi dans les amendements que la loi sur l'expropriation va dorénavant s'appliquer. C'est pas vrai. La loi sur l'expropriation s'appliquait déjà. Alors, il y a plein d'éléments comme ça qui semblent être des avancées que le gouvernement prétend qu'il a tenu compte des revendications des municipalités, mais c'est, à mon avis, c'est absolument faux. C'est de la poudre aux yeux, c'est vraiment de la manipulation de l'opinion publique. Alors voilà. Merci. Alors, la parole est à vous.